5 ans de la COP21, 5 ans de recul, 5 ans d'inaction, 5 ans de batailles non menées sur les glyphosates, sur la transition énergétique, sur les émissions de gaz à effet de serre et demander aux géants du carbone de se conformer à la COP21. 5 ans, c'est presque un mandat de maire. Le plus dur serait de se résoudre à cette inaction, de se dire que oui, effectivement, il n'y a rien à faire. Nous pouvons agir. À Grenoble, en un mandat, nous avons transformé la ville et nous avons été choisis par la Commission européenne pour être capitale verte de l'Europe en 2022. Nous pouvons agir à Grenoble et donc dans toutes les villes et les villes et les villages de France. Nous pouvons agir pour l'énergie et en 2022, nous couvrirons les besoins des Grenoblois en une énergie 100% verte, une électricité ni fossile ni nucléaire. Nous pouvons agir pour réduire la pollution de l'air. Nous avons lancé la plus grande zone à faible émission de France. Nous pouvons agir pour notre santé et pour la biodiversité. Nous n'utilisons plus une seule goutte de pesticides. Des fermes urbaines commencent à nourrir nos EHPAD, nos cantines. Bref, nous avons là de la matière pour avancer partout. Ces 5 ans, c'est leur échec. À nous de faire en sorte que les 5 ans à venir soient des 5 ans d'action et d'espoir.